Bienvenue à toutes et à tous pour le quatrième et dernier volet de cette enseigne. Enfin, un dernier volet pour le week-end, parce qu'il y aura un autre week-end là sur le, pour continuer le texte et le sujet donc, des quatre attachements. Donc, nous avons eu un enseignement donc, qui portait essentiellement sur les huit dharmas mondains, hein, les huit préoccupations mondaines, qui, en fait, comme nous l'a bien montré Thubten Chodron, sont extrêmement pernicieuses puisqu'elles peuvent même détourner notre pratique du vrai dharma. C'est pour ça qu'on les appelle des dharmas mondains par opposition au vrai dharma qui lui n'est pas mondain. Donc la présentation de ce matin donc, était très intéressante puisqu'elle nous a montré déjà dans un premier temps comment nous devions être à l'affût en fait, de toutes les idées erronées que nous pouvions avoir par rapport au dharma et par rapport à la pratique du dharma. Et l'une de ces idées erronées, c'est de considérer qu'il faut absolument souffrir pour pratiquer le dharma. Or, la pratique du dharma est justement faite pour nous apporter plus de bonheur et moins de souffrance. Et donc, cet enseignement sur couper l'attachement vise exactement ce but-là. Alors qu'on pourrait croire que l'attachement, c'est ce qui va nous apporter du bonheur, puisque en étant attaché aux choses, aux gens, eh bien, on a l'impression de les aimer, de les chérir. Et au contraire, donc, d'après l'enseignement du Bouddha, qui prend les choses vraiment dans le sens de la vérité, on voit en fait que l'attachement fait partie des origines de la souffrance et est une source de souffrance. D'où l'intérêt donc de l'analyser, de voir comment il s'immisce dans notre quotidien, comment dans toutes les situations que nous vivons sont vécues sur le mode de l'attachement à différentes situations, différents phénomènes qui nous arrivent. Donc, couper l'attachement, comme l'indique ce texte, ou abandonner l'attachement, n'a pas pour but de nous apporter plus de souffrance, de nous faire souffrir. Les souffrances, elles ne viennent pas de l'enseignement. Les souffrances viennent de nous-mêmes, de nos perturbations mentales qui nous font croire que nous avons, par exemple, toujours raison. Et donc, le point ici, donc, c'est que l'attachement donc fait partie du l'attachement repose sur le désir, hein, et le désir donc amène de l'attachement, et cet attachement apporte de la souffrance. Donc nous sommes encore là, comme nous l'a indiqué Thubten Chodron dès son premier enseignement, dans cette loi fondamentale qu'a enseigné le Bouddha, c'est-à-dire la production interdépendante, hein. Donc, on voit comment l'attachement et le lien de causalité qu'il y a entre l'attachement et la souffrance. On peut même dire qu'il y a une relation de cause à effet directe entre l'attachement et la souffrance. Mais pour nous, notre esprit ne le voit pas comme ça. Nous, notre esprit nous fait croire que l'attachement, c'est du bonheur. Et que pour être heureux, il faut être attaché aux choses. Donc, en fait, le premier attachement qu'il faut reconnaître est celui qui est lié à cette vie. Et ce qui va nous permettre de voir combien nous sommes attachés à cette vie. Donc, il y a ce qu'on appelle les quatre préoccupations mondaines, les quatre dharmas mondains. Et donc, on peut analyser toutes les situations que l'on rencontre à l'aune de ces huit préoccupations mondaines qui sont classées donc par groupe de quatre. Donc les huit dharmas mondains, comme elle nous l'a bien expliqué ce matin, consistent finalement à développer de l'attachement et à développer pour certaines situations, et au contraire à cultiver ou à ressentir de l'aversion par rapport à d'autres situations. Autrement dit, c'est déborder de joie quand on gagne quelque chose, déborder de joie quand on a une bonne réputation, déborder de joie quand on est admiré ou quand on est complimenté, et quatrième point, déborder de joie quand on rencontre des situations ou des expériences agréables. Et au contraire, être très attristé ou chagriné, ou quand on perd quelque chose, premier point, quand on a mauvaise réputation, deuxième point, quand on est critiqué, troisième point, ou quatrième point, quand on rencontre des situations désagréables. Donc voilà ce qu'on appelle les huit dharmas mondains qui sont là, en fait. Si on fonctionne sur ce mode
des huit dharmas mondains, nous détourne de la vraie pratique du dharma. Donc c'est pour ça que le texte commence par cette sentence en disant que si vous êtes attaché à cette vie, c'est-à-dire si vous réagissez aux situations par rapport à ces huit dharmas mondains, vous n'êtes pas un vrai pratiquant du dharma. Et donc là, ensuite, Thubten Chodron a bien montré que justement, même les apparences de la pratique du dharma, comme par exemple l'éthique, quand on pratique l'éthique, normalement, l'éthique, on dit que c'est la base de toute la pratique du dharma. C'est comme un escalier qui va nous conduire à l'éveil, et que c'est un antidote à la souffrance. Et que lorsqu'on pratique vraiment l'éthique, à ce moment-là, on est dans une attitude où on n'a pas de regrets, on n'a pas de remords, on a une conscience extrêmement claire de ce qui est positif et de ce qui est négatif, et on n'a aucune culpabilité, tout ce qu'on fait va dans le sens de l'éveil. Par contre, si l'éthique est pratiquée dans un but mondain, à ce moment-là, tout s'inverse. C'est-à-dire les qualités même donc, de l'éthique deviennent des défauts. Ainsi, par exemple, donc, si on a une éthique erronée qui est teintée d'orgueil, par exemple, cela va nous amener encore plus de fierté. On peut être fier de garder une certaine éthique et en faire un certain étalage, la montrer. Et on peut être fier de recevoir des offrandes, etc., d'être un support, comme on dit dans les enseignements, un support d'offrandes. Donc, en fait, l'éthique peut être... alors que l'éthique devrait être la racine qui nous conduit à l'éveil, la racine de la progression vers l'éveil, l'éthique peut, si elle est influencée par les huit dharmas mondains, devenir la racine du samsara, qui nous maintient dans le samsara si la motivation n'est pas juste. Donc d'où l'importance, quand on pratique le dharma, d'observer sa motivation, parce que c'est ça en fait qui fait que la pratique du dharma va être juste ou va être erronée. Si la motivation est tournée vers les huit dharmas mondains, à ce moment-là, quelle que soit la pratique du dharma que l'on fasse, que l'on étudie des textes, que l'on prie, que l'on médite, que l'on tourne autour des stupas, quoi que ce soit, quelle que soit la forme extérieure de pratique, celle-ci ne sera pas une véritable pratique du dharma, mais sera encore créera encore les causes pour renaître dans les mondes inférieurs. Et continuera donc à nous propulser dans le samsara à cause justement de l'attachement à cette vie. Donc Thubten Chodron a extrêmement bien analysé tout ça à l'aide d'exemples précis et donc nous montre à quel point justement nous devons être soucieux et préoccupés, dans le bon sens du terme, de la façon dont notre esprit fonctionne. Et c'est la chose donc la plus importante à regarder si l'on veut vraiment pratiquer le dharma, voir notre motivation chaque fois que nous accomplissons des actions, qu'elles soient aussi bien dans le quotidien que dans la pratique du dharma. Donc c'est ce que nous montre, c'est ce que nous incite aussi à voir le texte que nous sommes en train d'étudier, donc l'abandon des quatre attachements. Avant de relancer donc la vidéo, j'ai reçu une question tout à l'heure entre midi et deux d'une personne donc qui demande qui s'interroge justement sur le fait de que tout est impermanent et que tout change d'instant en instant et que c'est seulement notre esprit finalement qui évolue et cette continuité comme ça qui a lieu d'instant en instant. Donc, mais cette personne se demande si au sein de cette continuité, il n'y a pas quelque chose qui demeure en fait. Donc on parle bien sûr de... Est-ce qu'il n'y aurait pas, dit-elle, quelque chose qui demeure ? Le soi est dépourvu d'existence en soi, mais il a une existence dans l'interdépendance. Et donc, juste, quelle est cette existence du soi, puisqu'on a, on a tous l'impression, finalement, au fond de nous, qu'il y a quelque chose qui demeure, qu'on a quelque chose qui est là en permanence, malgré le fait qu'il y ait cette continuité d'instant en instant. On a toujours l'impression que quelque chose est toujours là qui demeure. Et donc, cette personne me demande de répondre à cette question, mais c'est tout l'intérêt justement de la philosophie bouddhiste de nous amener à résoudre cette question par nous-mêmes. Quel est ce je auquel nous adhérons si fortement ? Quelle est cette personne à laquelle nous croyons ?
exister, comment est son existence, sur quoi est-ce qu'elle se fonde, cette existence. Et donc ça, je pense que nous allons le voir au fur et à mesure donc, de cet enseignement donné par Thubten Chodron, surtout lorsque nous aborderons le quatrième attachement, c'est-à-dire si l'on a une saisie de la réalité, hein, s'il y a une saisie de la réalité qui apparaît, une saisie de l'existence réelle, alors on n'a pas la vue juste. Donc le but de la philosophie bouddhiste, c'est de nous amener justement progressivement à cette vue juste de la réalité des choses, c'est-à-dire du non-soi. Donc tant que l'on a une croyance à la réalité d'un soi qui demeure, ou qu'il y a quelque chose qui demeure tel qu'on le perçoit, c'est-à-dire comme existant véritablement, comme existant en soi, eh bien on n'a pas encore vraiment la vue juste. Donc tout ça, comment le bouddhisme finalement nous guide dans une vue qui ne tombe ni dans le nihilisme, ni dans l'éternalisme, c'est justement tout le propos en fait, de la philosophie bouddhiste, et sur laquelle il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Chacun doit arriver à se questionner, d'abord à se questionner là-dessus, à méditer, et surtout à analyser où est ce soi que l'on prend pour quelque chose de réel, qui demeure, quelque chose qui a l'air d'être là de manière stable, de manière pérenne, et qui finalement reste toujours présent, quelles que soient les situations que l'on rencontre. Donc ça, je ne peux pas répondre à cette question, puisque c'est vraiment une question individuelle qu'on ne peut analyser qu'en étudiant la philosophie bouddhiste, et le faire de manière très très progressive, en recevant des enseignements très authentiques à ce sujet. Donc je pense que Thubten Chodron va nous y amener progressivement à cette compréhension. Donc juste, je vous demande juste un petit peu de patience. Voilà. Donc, et puis surtout de continuer à se poser ce genre de questions. C'est les questions fondamentales, hein, de se demander qui suis-je, au fond. C'est la question essentielle que nous amène sur laquelle nous amène à réfléchir le bouddhisme. Et en fait, nous ne faisons que ça, hein, nous demander qui sommes-nous. Donc voilà, continuez. Et donc je relaisse la parole de nouveau à Thubten Chodron pour la suite de ce passionnant enseignement sur l'abandon des quatre attachements. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes sur la planète. Et j'espère que chacun d'entre vous est en sécurité et en bonne santé, et que le coronavirus vous fait penser et réfléchir plus au Dharma, et que la situation dans laquelle on est, plutôt que de nous faire retomber dans nos façons habituelles et perturbées de gérer les situations difficiles, que plutôt notre esprit va être incité à penser à ce que le Bouddha nous a enseigné, et que l'on puisse regarder la situation d'une façon plus réaliste et plus bénéfique, plutôt que de retomber nos vieux schéma fait de peur et d'anxiété, etc. Donc ça, c'est vraiment un bon moment pour la pratique. Et de mettre notre énergie pour changer notre attitude. Si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Parce que c'est le moment, en particulier maintenant, dans des moments difficiles, c'est le moment où on a vraiment besoin du Dharma. Ce texte qu'on est en train de voir, je pense, est vraiment opportun pour cela, parce que c'est un texte sur la transformation de l'esprit, sur la transformation des pensées, et que il va amener notre esprit vers la réalité, vous savez, la réalité conventionnelle, la réalité ultime. Et quand on est capable
d'aligner notre esprit avec la façon dont les choses sont réellement, alors on arrête de lutter contre la façon dont sont les choses et on est capable d'utiliser les situations d'une façon bénéfique. Donc, la semaine dernière, je devais être aux Pays-Bas. Cette semaine, j'étais supposée être en Allemagne et la semaine prochaine, je suis supposée être en Russie. Et donc, en fait, je vais être à tous ces endroits en même temps grâce à Internet. Et c'est pour ça qu'on fait ces enseignements. Les Russes, ce sont eux qui m'ont spécifiquement demandé de travailler sur ce texte parce qu'ils voulaient le prendre, le traduire les enseignements et ajouter des sous-titres et l'utiliser dans leur groupe de dharma habituel et aussi pour les nouvelles personnes qui viennent. Donc, souvenez-vous, avant qu'on commence les récitations, visualisez le Bouddha et les Bodhisattvas, leur corps fait de lumière, dans l'espace en face de vous. Et pensez que chaque être vivant vous entoure, que tous les êtres vivants vous entourent, et que vous les guidez, et que vous guidez tous les êtres vivants et que vous vous tournez vers le Bouddha, le Dharma et la Sangha pour prendre refuge et vous développez cette pensée d'amour compassionné et la bodhicitta ensemble. Donc une façon pour réunir les gens, c'est en ayant une même motivation. Donc, avant que l'on puisse commencer les enseignements, lâchons prise de toute motivation qui serait liée au vidharma mondain. Et à la place, développons la motivation qui va nous permettre de nous voir nous-mêmes comme reliés, comme interconnectés avec les autres êtres vivants. On cherche tous le bonheur, personne ne veut la souffrance. Et donc la souffrance doit être éliminée, peu importe à qui elle est, à qui elle appartient. Et la joie doit être améliorée, sublimée, peu importe à qui elle appartient. Et pour réaliser cela, la meilleure façon de le faire, c'est de devenir un Bouddha éveillé, parce que nous-mêmes, on n'aura plus aucun empêchement à être bénéfique aux autres. Et donc, développons la bodhicitta qui va aspirer à la bouddhéité. Donc, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de la vision du monde bouddhiste et de l'importance de la production en dépendance et comment est-ce que ça pourrait être le slogan du Bouddha, la marque du Bouddha, l'importance de notre esprit dans la création de nos expériences, que ce soit à travers la façon dont on va créer le karma, dont notre esprit va créer le karma, ou alors à travers la façon dont notre esprit va voir une situation au moment où elle arrive. Et on a parlé aussi de comment est-ce que les choses n'existent pas nécessairement de la façon dont elles nous apparaissent. Et en particulier, il faut qu'on soit conscient de cela quand on commence à parler des huit dharmas mondains. Parce que c'est le premier attachement. C'est le premier attachement que notre auteur
nous conseille d'abandonner ou d'abolir. Parce que les huit dharmas mondains, quand ils submergent notre esprit, on ne voit plus les personnes ni les choses de façon juste, de façon appropriée. On les voit d'une façon vraiment étriquée seulement à travers la vision des bonheurs de cette vie, du bonheur de cette vie. Et cette vie, même si les apparences de cette vie sont très vibrantes et très fortes, elle est, en fait, cette vie, elle est très courte. Quand vous pensez qu'on a un nombre de vies infinies et des vies sans commencement, en fait, cette vie, elle vient et elle repart très rapidement. Et aussi, avec les huit dharmas mondains, on exagère l'attractivité ou la désirabilité de quatre de ces huit, et on exagère l'indésirabilité et l'inattractivité des quatre autres. Et notre esprit va dans l'attachement, l'aversion. Comment est-ce que je peux obtenir ce que je veux, quand je le veux? Et on est perdu, non? C'est pas le cas? Parce que cette saisie pour mon bonheur, là, maintenant, il consume l'esprit. Et ça va motiver tellement de karma négatif qui, encore une fois, vont créer, vont influencer les expériences qu'on va avoir dans le futur en créant non seulement une autre renaissance dans le samsara, mais aussi ce dont on va faire l'expérience, l'environnement. Vous savez, ça va déterminer dans quel environnement est-ce qu'on va naître, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle cyclique. C'est un petit peu comme un carrousel, un manège, mais on voudrait descendre. Parce qu'il n'est pas si sympa, ce manège. Et donc, les huit dharmas mondains, l'attachement ou la réjouissance quand on reçoit de l'argent, des possessions, et le rejet, la détresse, l'aversion quand on les reçoit, quand on ne les reçoit pas, ou quand ils sont perdus ou cassés. On peut voir ça de façon encore plus claire avec l'état de l'économie aujourd'hui. Et le fait qu'on manque, le manque de ce que l'on avait avant, et comment est-ce que notre esprit réagit à cela? Et à quoi est-ce que l'on va s'accrocher pour le futur? Et est-ce qu'on est satisfait, ou est-ce qu'on peut se satisfaire de ce que l'on a? Ou est-ce que notre esprit est toujours en train de se dire, mais je veux avoir ce que j'avais avant, et en fait, je veux même plus que ce que j'avais avant? Le deuxième, c'est l'attachement à la réputation et l'aversion envers une mauvaise réputation. Donc, c'est toujours penser à ce que les autres vont penser de nous. Et l'esprit, il n'est pas capable de s'évaluer lui-même. On n'est pas capable de s'évaluer nous-mêmes. Donc, on va toujours attendre que les autres nous disent qui on est. Et quel est notre rôle, quelle est notre place, et tout comme ça. Et donc, pour surmonter cela, il faut vraiment qu'on apprenne à s'évaluer nous-mêmes, à s'estimer nous-mêmes de façon honnête, de reconnaître nos défauts et reconnaître nos qualités. Et être OK avec tout ça parce que c'est la réalité. C'est pas vrai? Ce que je veux dire, à ce moment présent, j'ai ces qualités et j'ai ces défauts. Et juste le reconnaître. Et bien sûr, je peux changer et m'améliorer dans le futur. Mais si ce que je suis là maintenant, j'arrête pas de me dire non, c'est pas ça que je suis, non, je ne suis pas ça, non, je ne suis pas ça. C'est comme si je disais non, j'ai pas de nez sur mon visage, alors que vous en avez un. Et tout le monde le voit que vous en avez un. Et en fait, on sait qu'on l'a. Donc c'est juste plus facile, vous savez, de le reconnaître. Et ensuite, on peut changer dans le futur.
La troisième paire, c'est l'attachement pour l'approbation et pour les compliments, les éloges. Et celui sur la réputation, c'est plus par rapport à ce qu'un groupe de personnes va penser de nous, alors que l'approbation et les éloges, c'est plus par rapport à ce que certaines personnes spécifiquement vont penser de nous. Et donc, de ne pas aimer quand on nous accuse de quelque chose ou quand les gens ne vont pas approuver ce que l'on est en train de faire ou quand ils nous critiquent ou qu'ils nous insultent ou qu'ils nous rabaissent. Et encore une fois, ici, on se mélange parce qu'on va attendre que les autres nous disent qui on est plutôt que d'apprendre à nous voir nous-mêmes d'une façon plus précise, d'une façon plus juste. Et le problème avec ça, c'est que différentes personnes vont nous voir de façon différente. Et que si on est toujours là à penser que l'opinion des autres est réelle, alors on ne va pas savoir qui on est. Et je vais vous donner un exemple très clair que quand ça m'est arrivé à moi. C'était il y a vraiment longtemps, je vivais en France avec un groupe de nonnes. Et un jour, quelqu'un est venu me voir le matin et m'a dit: oh, tu pratiques tellement bien, t'es vraiment tellement un bon exemple pour d'une nonne qui respecte bien ses préceptes. Et plus tard, dans la même journée, une autre nonne vient me voir et elle me dit: tu ne respectes pas vraiment très bien tes préceptes, t'es tellement feignante et en fait, tu n'es pas un très bon exemple pour nous autres. Et donc, c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'étais assise là et je me disais, mais si je croyais ce que les autres me disent, ce pourquoi ils vont me complimenter, ce pourquoi ils vont me critiquer, je ne saurais pas qui je suis. Parce qu'il y a une personne qui me dit que je suis super et l'autre personne, elle va me dire que je suis complètement paumée. Et donc, c'était vraiment très clair pour moi à ce moment-là que ce que les autres personnes pensaient, ok, d'accord, je peux l'utiliser et l'évaluer et voir si c'est vrai ou pas, mais au final, c'est moi qui dois vérifier ma propre motivation et mes propres actions. Et donc, la quatrième paire de ces huit, c'est l'attachement à des perceptions sensorielles agréables et l'aversion à celles que l'on n'aime pas. Et encore une fois, celui-ci, il peut vraiment occuper notre esprit parce que on veut voir de belles choses, entendre de bons sons, avoir de bonnes odeurs, des bonnes sensations tactiles. Et parfois, on devient complètement fou de rage quand les choses ne sont pas agréables. Et on fait toute une histoire et on sort de la pièce et peu importe. Et donc, vous pouvez voir comment est-ce que l'esprit ne fait que monter, descendre tout le temps. Il est complètement fixé sur des choses externes. Donc, la semaine dernière, j'ai commencé à parler de certains des désavantages des huit dharmas mondains. Et ici, j'utilisais le texte de Drogpa Gyaltsen, qui était le maître de Nöpa Rigsen Drag, et qui j'expliquais certaines des choses qu'il a dites. Donc certains d'entre vous, j'en suis sûre, doivent être en train de se dire: excusez-moi, mais c'est la quatrième des neuf sessions, et comment c'est possible qu'on soit encore sur le premier point? Il faut qu'on avance et que l'on passe aux autres points. Eh bien, tout d'abord, je suis définitivement le disciple de mon maître. Donc, quand on en vient aux huit dharmas mondains, ça doit être martelé. Et c'est la façon dont j'ai été formée, et je suis vraiment reconnaissante pour ça. C'était douloureux.
c'était douloureux d'écouter jour après jour pendant mes premiers cours du Dharma et d'entendre parler toujours de toutes ces pensées affreuses liées au huit dharmas mondains. Et je me disais, non mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler un petit peu de la lumière, de l'amour et de la béatitude de temps en temps? Est-ce qu'on doit toujours regarder notre attachement et notre colère et notre saisie? Mais je suis tellement reconnaissante envers mon maître aujourd'hui que ça a été martelé parce que d'avoir ou de ne pas avoir les huit dharmas mondains, c'est la démarcation pour savoir si notre pratique, est en fait du dharma ou pas. Ok. Et donc les robes, la coupe de cheveux, le vajra, la cloche, le tambour, les grands symboles, le grand tambour, vous êtes chanté avec cette voix très profonde, faire toutes vos prières en tibétain. Rien de ça ne rend votre pratique une pratique du dharma. La ligne de démarcation, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre esprit. Et quelle est notre motivation? Et je ne suis pas libérée des huit dharmas mondains, mais le fait que mon maître me les martelait, nous les martelait si fortement, ça me rend beaucoup plus consciente de toutes ces choses-là quotidiennement et beaucoup plus consciente de mes motivations. Donc, j'essaye de vous le faire passer, que ça vous plaise ou non. J'espère que vous l'apprécierez après quelque temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous savez, je lisais ce nouveau livre qui a été édité par les éditions Wisdom, et c'était la traduction de ce tantra et de ce tantra, et le Sokchen et le Mahamudra. Et c'est un petit peu comme je suis encore en train d'essayer d'abandonner les huit préoccupations mondaines. Si je n'arrive pas à faire ça, comment est-ce que je vais pouvoir comprendre le tantra, le mahamudra et le sokchen et tout ce genre de choses? Non? Et aussi de voir que les huit dharmas mondains sont la racine pour briser des préceptes et aussi les autres choses qui vont nous stimuler à créer du karma négatif. Et si je ne peux pas abandonner, vous savez, les inconduites éthiques grossières, comment est-ce que je vais abandonner celles qui sont beaucoup plus subtiles, les inconduites éthiques des bodhisattvas ou tantriques, parce que les vœux, les préceptes des bodhisattvas et les préceptes tantriques sont beaucoup plus difficiles à garder. Même les vœux monastiques, sans parler des cinq vœux laïques, des cinq préceptes laïques. Donc, je suis une militante de cette idée de commencer à l'école maternelle et d'y aller pas à pas. Et vous avez votre objectif sur les choses supérieures, mais il faut apprendre à savoir pratiquer par rapport à là où on en est maintenant. Et donc, ce que Drakpa Gyaltsen nous dit sur les désavantages des huit dharmas mondains, donc souvenez-vous, précédemment, il a dit, il a parlé des avantages, il a dit tout d'abord ne pas s'accrocher à cette vie, la discipline éthique, l'étude, la réflexion et la méditation, celui qui va poursuivre cela pour les biens de cette vie n'est pas un pratiquant. Donc, rejetez cela. Ce n'est même pas un tout débutant, un pratiquant tout débutant. Et donc, la semaine dernière, on a parlé des bienfaits de la conduite éthique
et des désavantages de garder et d'avoir une conduite éthique avec un esprit empreint des huit dharmas mondains. Et donc maintenant, on va continuer et on va passer aux études et à la réflexion et à la méditation, parce qu'il disait que si on fait ces choses-là avec une motivation empreinte des huit dharmas mondains, elles ne sont pas non plus des pratiques du dharma. Et donc, il dit, donc, d'abord, il donne les avantages des études et de la réflexion. Donc, celui qui va s'engager dans l'étude et dans la réflexion est enrichi par des ressources qui vont améliorer la connaissance. Donc, vous apprenez le dharma, vous avez des outils pour gérer les choses que vous pouvez utiliser sur votre esprit, que vous pouvez utiliser dans votre vie. Il est doté de la lumière qui va dissiper l'ignorance. Et donc, vous apprenez, vous entendez parler de l'impermanence, vous entendez parler de la vacuité, vous pouvez avoir ces outils qui vous permettent de contrecarrer ces îles fondamentales qui sont la racine du samsara. Et alors, la personne va se familiariser avec la route qui va guider les êtres vivants. Donc, si on veut aider les êtres vivants, si on étudie et qu'on réfléchit sur le dharma, encore une fois, on va avoir ces outils que l'on va pouvoir utiliser pour vraiment être bénéfique aux autres. Donc ça, ce sont les bienfaits. Et ensuite, il continue et il est doté des graines du Dharmakaya, le vrai corps d'un Bouddha, parce que encore une fois, quand on entend les enseignements, quand on y réfléchit, quand on les contemple, on plante des graines dans notre esprit qui un jour vont mûrir en réalisation et qui un jour vont mûrir en le Dharmakaya. Et donc, vous ne pouvez pas y arriver sans étudier et réfléchir. Ok. Vous ne pouvez pas y arriver sans les études et la réflexion. Donc, pour ceux d'entre nous, et là, je parle pour moi parce que c'est comme ça que j'ai commencé, je voulais méditer. Ok. Je voulais un petit peu d'enseignement, mais je vais méditer. Et j'étais au Népal, et vous savez, j'allais me trouver une belle petite grotte, et rester au Népal, et méditer, et devenir un Bouddha. Et tout mon groupe, on voulait tous faire la même chose, non? C'est pas vrai? C'est pas ça qu'on voulait faire? On a entendu parler de Milarepa, et c'est ça, c'était l'image qui nous a été présentée d'un vrai pratiquant du Dharma. Donc, on voulait tous aller dans la montagne et on voulait tous aller méditer. Et pourtant, notre maître voyait les choses différemment. Et il nous a tous envoyés travailler dans des centres du Dharma. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à voir nos esprits. Et quand on a pu voir ça, parce que si vous voulez méditer, vous avez besoin d'avoir étudié et d'avoir réfléchi avant. Vous avez besoin de savoir sur quoi méditer et comment méditer. Et vous avez besoin de savoir quoi faire avec votre esprit quand vous commencez à vous souvenir de toutes ces choses qui viennent du passé. Et quand vous êtes là, assis dans votre position de méditation parfaite et que vous commencez à être en colère à cause de quelque chose que quelqu'un vous a dit il y a 15 ans. Ou alors quand vous commencez à vous souvenir de votre ancien petit ami ou de votre ancienne petite amie et que vous avez ce désir profond de revenir avec eux et votre esprit devient complètement fou. Qu'est-ce que vous faites avec votre esprit? Donc l'étude et la réflexion, c'est ça qui va nous donner les outils pour gérer ces choses-là. Donc, Drangpa Gelsen nous dit que vous ne pouvez pas y arriver sans les études et la réflexion, mais en ce qui concerne les études et la réflexion qui vont s'accrocher à cette vie, et maintenant, il va nous donner les désavantages des huit dharmas mondains mélangés avec le fait d'écouter les enseignements, d'apprendre, de discuter, de débattre avec nos camarades de classe. Là, ce sont les désavantages de mélanger les huit dharmas mondains avec cela.
Et donc, en ce qui concerne l'étude et la réflexion qui s'accroche à cette vie, c'est ce qui va fournir les ressources qui vont produire la vanité, l'arrogance. Regardez le nombre de textes de Dharma que j'ai étudiés, regardez tout ce que je sais. Je peux réciter les 5 de cela, et les 6 de cela, et les 10 de ça, et les 22 de cette autre chose. Et j'ai mes certificats, et j'ai tous mes titres, et j'ai étudié pendant tellement d'années. Donc je suis un petit peu comme un professeur de bouddhisme. Donc vous devez me respecter, parce que tout ce que j'enseigne, c'est la vérité. C'est très facile de devenir arrogant à propos de notre connaissance du Dharma, mais c'est une connaissance intellectuelle, c'est pas à l'intérieur. Et ce qui en témoigne, c'est justement qu'on soit arrogant à propos de cette connaissance, parce que si cette connaissance elle était vraiment à l'intérieur, alors on serait pas arrogant. Et donc ça va causer du mépris envers ceux qui font vraiment ces études, qui ont moins étudié, qui ont moins réfléchi, parce que j'ai étudié plus que toi, je suis allée à plus de retraites que toi. Ça va créer de l'envie envers ceux qui ont plus de connaissances, qui ont plus étudié, qui ont plus réfléchi. Oh, ils ont étudié plus, ils savent plus que moi. Oh, je suis jaloux. Ils ont un meilleur statut que moi. Les gens les admirent plus que ce qu'ils m'admirent moi. Une des choses que j'ai traversées vraiment, c'est que je voulais vraiment apprendre le tibétain et mes maîtres voulaient que j'apprenne le tibétain. Et je n'ai jamais eu les circonstances appropriées pour apprendre le tibétain. Et je me souviens, vous savez, parce qu'on est tous assis, nous les moniaux, on est tous assis dans l'ordre d'ordination. Donc il y a des gens devant vous et des gens derrière. Et vous savez, je regardais les gens qui étaient devant et je me disais, ces gens, c'était des bons pratiquants, mais je critiquais chacun d'entre eux dans mon esprit. Parce que ils avaient plus étudié et plus réfléchi que moi. Et certains d'entre eux parlaient couramment le tibétain et pas moi. Et donc, j'étais jalouse de ces personnes qui étaient au-dessus. Et les personnes qui étaient débutantes, je leur trouvais aussi des défauts. Je trouvais des défauts à tout le monde. Donc ça, c'était le niveau de ma pratique du Dharma, qui n'était pas une pratique. Et ce qui en témoigne, c'est la jalousie. Et la jalousie envers qui va être avec l'enseignant, avec le maître, qui va lui faire une tasse de thé parce que c'était pas moi, qui va pouvoir aller méditer avec lui dans sa petite compa. Il y avait un petit groupe de personnes qui pouvaient aller méditer avec le maître, avec l'enseignant, et moi j'en faisais pas partie. Et vous savez, c'était cette comparaison constante avec les autres pratiquant. Misérable. Complètement misérable. Et donc, je me souviens un jour, j'étais assise dans l'herbe dehors et je regardais la pièce de mon maître et je pensais à ses autres disciples qui étaient tous à l'intérieur et je me sentais jalouse. Je me consumais de jalousie. Et c'était tellement douloureux que je me suis dit, il faut que je change. Je ne peux pas continuer comme ça. La jalousie, c'est trop douloureux. Et donc j'ai dû commencer à pratiquer la réjouissance pour les vertus des autres et me réjouir de leur connaissance et me réjouir que eux, ils connaissaient le tibétain et que pas moi et que je devais leur demander de me traduire les choses. Mais c'est seulement quand j'ai commencé à faire ça que mon esprit a commencé à être plus heureux.
et que juste j'acceptais qui j'étais, où est-ce que j'en étais. Et en fait, je me sentais même heureuse qu'il y avait d'autres personnes qui étaient meilleures que moi, parce que alors, j'avais des personnes de qui apprendre. Et donc, vous avez cette citation sur comment est-ce que ça va créer du mépris et de l'arrogance. Quand j'ai regardé mon esprit, c'était vraiment vrai. Et ça fait du mal. C'est douloureux. Ça va créer de l'envie envers ceux qui ont les études et la réflexion, et ça va faire en sorte que vous allez chercher un cortège et des offrandes. Donc quand on étudie et qu'on réfléchit mélangé dans les huit dharmas mondains, on cherche à être un grand enseignant avec plein de groupies qui nous suivent. Et on n'est pas contre quelques donations. Et donc, on se complimente, on critique les autres enseignants. On fait en sorte que nos étudiants fassent la même chose. Je me souviens que j'étais à un des enseignements de sa sainteté une fois, et il y avait des gens qui disaient « Oh, notre enseignant, on pense qu'il a réalisé la vacuité, il fait ceci, il fait cela, oh, il est vraiment spécial. » Et je me disais « Ok. » Mais la chose, quand je regarde vraiment qui sont les gens dont je vais vraiment respecter la pratique, c'est les personnes qui sont humbles. Parce que c'est facile d'être charismatique. Et de peaufiner vos enseignements pour que les gens vous aiment et vous enseignez ce que les autres aiment. Donc tout d'abord, vous ne parlez pas des royaumes inférieurs parce que personne n'a envie d'en entendre parler, et vous n'enseignez pas non plus, vous ne parlez pas non plus des désavantages du samsara parce que ça, personne n'aime penser à ça non plus. Donc, vous parlez de la grande béatitude. Ça, ça a l'air vraiment intéressant. Et donc, c'est très facile d'édulcorer les enseignements. Quand on est motivé par les huit préoccupations mondaines, et ensuite de chercher à avoir une bonne réputation et à recevoir des offrandes. Comme je l'ai dit, les enseignants que je vais vraiment respecter, ce sont ceux qui sont humbles. Et je me souviens quand je vivais en Italie et Geshe Yeshi Topten a été envoyé pour nous faire des enseignements, et on avait vraiment bien préparé toute la pièce, on avait sorti la vaisselle en porcelaine, on avait sorti l'argenterie, on avait mis un beau trône dans la gompa. Mais quand vous le voyez en Inde, il était toujours avec des vieilles robes, avec de la barbe par-ci par-là, ses chaussettes tombaient en ruine, il avait des vieilles chaussures. C'est pas le genre de moine que l'on aurait remarqué, mais c'était un de ces grands méditants qui passait son temps dans la montagne. Mais le peu de fois où il est venu en ville, vous l'auriez même pas remarqué. Sa sainteté l'a envoyé en Italie. Et donc, quand il est arrivé dans notre centre, on lui a servi à manger dans la porcelaine chinoise et dans l'argenterie. Et il nous a dit, non, mais enlevez-moi tout ça, je veux des assiettes en plastique. Et ensuite, on l'a emmené dans la gompa pour son premier enseignement. Il y avait ce très beau trône qu'on avait préparé. Il a pris le coussin du trône et il l'a mis sur le sol et il s'est assis dessus. Et c'était quelqu'un, c'était un vrai yogi, parce que son assistant, qui avait l'habitude de lui amener de la nourriture une fois par semaine dans la montagne, il m'a dit qu'il n'avait même jamais vu son vajra ou sa cloche ou même la photo de la déité sur laquelle il méditait. Il n'a même jamais vu ça, c'était
à quel point il gardait sa pratique secrète cachée. Donc, il était vraiment spécial. Mais pas, c'était pas quelqu'un qui avait des groupies et qui disait « Ah, et au fait, ça c'est mon petit panier à donation. Et en fait, c'est un petit peu petit, j'ai besoin d'une plus grande. » Et donc, c'est de ça que Drukpa Gelson parle ici. Un autre désavantage, c'est la racine qui va amener à des renaissances inférieures parce qu'on crée beaucoup de karma négatif. Et notre esprit n'a pas une motivation du dharma. Donc, on rate l'opportunité que nous donne cette précieuse vie humaine. Donc, rejeter l'étude et la réflexion qui est dirigée par les huit dharma mondains. Et ensuite, comme si ce n'était pas suffisant, il continue. Donc, on a parlé de la conduite éthique, l'étude et la réflexion. Et maintenant, il va parler des pratiques de méditation liées aux huit dharma mondains. Donc, tout d'abord, il va parler des avantages. Tous ceux qui s'engagent dans des pratiques de méditation sont dotés des antidotes aux perturbations. Ça, c'est d'abord l'avantage. Donc, vous méditez et vous intégrez les antidotes contre les perturbations dans votre propre courant de conscience. Ils possèdent les racines de la voie vers la libération. Et donc, ils vont gagner une conviction ferme en les enseignements. Ils vont être capables, vous savez, cette conviction ferme qui va permettre à votre esprit de devenir un avec le dharma. Ils possèdent les racines de la voie vers la libération. Ils possèdent les graines de la bouddhéité. Parce que quand on étudie et qu'on réfléchit et qu'on médite, alors on arrive à des réalisations. Et donc, vous ne pouvez pas le faire sans vous engager dans des pratiques de méditation. Et en ce qui concerne les pratiques de méditation pour cette vie, ça va nous amener de la distraction quand vous êtes isolé. Et donc, vous êtes dans votre belle grotte, bien à l'aise, et vous asseyez pour méditer. Et là, vous commencez à penser, j'espère que tous mes amis savent que je suis devenu un grand yogi. J'espère que tous mes amis, là dans la ville en bas, savent que je suis en train de méditer dans ma grotte sur la Bodhicitta et que je suis en train de développer une compassion infinie pour eux. Et j'espère qu'ils apprécient à quel point je suis devenu sage. Combien de réalisations est-ce que j'ai accumulées? Et qu'ils me font des offrandes. Donc, c'est à ça que je pense quand je médite. Je me souviens une fois, je faisais une retraite et juste avant que j'aille faire cette retraite, j'ai eu des moments vraiment très difficiles. Et vous savez, j'étais pris dans celui sur la réputation et sur l'approbation et le rejet. Et vraiment, j'étais pas bien. Et j'étais attachée à la réputation. Et on me rabaissait, on m'insultait, je voulais qu'on me complimente, qu'on me fasse des éloges, qu'on m'approuve et on me critiquait. Et donc je suis rentrée en retraite après ça et j'étais tellement en colère pendant cette retraite. Et donc encore une fois, j'étais assise, là je regardais, j'avais l'air d'être une grande méditante. Et j'arrêtais pas de ruminer. Ils m'ont dit ça, et ils ont fait ça, et ils m'ont humiliée, et je suis tellement en colère. Complètement distraite de ma méditation.
Et il y a même une session dans cette retraite, je me souviens, je pensais, je me disais, je médite tellement bien, je suis sûre que mon maître, il a des pouvoirs de clairvoyance et qu'il voit à quel point je suis une bonne méditante. Dès que j'ai réalisé ce à quoi j'étais en train de penser, j'ai éclaté de rire. Parce que ce que j'étais en train de penser, c'était l'incarnation d'un mauvais méditant. J'étais complètement distraite par les 8 dharmas mondains. Donc ça nous amène la distraction quand on est isolé. Ça va vous rendre adepte dans l'art du bavardage parce que vous parlez beaucoup de toutes vos expériences fantastiques de méditation et j'ai vu ça et j'ai senti ça et ça a été magnifique. J'étais un avec tout et je n'avais plus aucun sentiment d'attachement à mon corps, etc., etc. Et non, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que je suis pas géniale? Je veux une bonne réputation. Ça va vous faire dénigrer ceux qui sont engagés dans l'étude et dans la réflexion parce qu'ils sont seulement en train d'étudier et de réfléchir. Moi, je médite. Je suis un être plein de renoncement. Je médite dans ma grotte, bien à l'aise avec... avec ma couverture chauffante, mon réfrigérateur, mon four. J'ai mon chauffage électrique, j'ai l'air conditionné. J'ai un bon stock de cookies au chocolat. Ok. Donc ça vous amène à dénigrer les personnes qui sont engagées dans les études et la réflexion parce qu'elles ne sont pas aussi bons que vous. Ça vous rend jaloux envers les autres méditants parce que vous pouvez voir par leur méditation qu'ils sont en train d'obtenir des expériences et que moi, je n'ai pas cette expérience. Alors, ça me rend jaloux. Et donc, sa conclusion ici avec ces deux, c'est de rejeter la méditation qui se concentre sur les 8 dharmas mondains. Et j'aime beaucoup la façon dont il le tourne parce que c'est la concentration méditative sur les 8 dharmas mondains, parce que c'est sur ça qu'on est en train de méditer, parce que notre esprit, il est plein de cela, c'est tout notre caca interne. Et il nous dit juste débarrassez-vous-en. Et donc, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Et donc, maintenant, on va revenir au texte de Nöpa Rinzen Drak. Donc, il dit que l'antidote au premier attachement, c'est la méditation sur la mort et l'impermanence. Ah, vraiment? J'étais toujours en train d'espérer entendre parler de l'amour et de la béatitude et vous me donnez la mort et l'impermanence? Et un petit peu plus loin dans le texte, il dit, tout d'abord, réfléchissez sur la mort et l'impermanence. C'est le remède à l'attachement à cette vie. De penser à l'incertitude du moment de la mort, de contempler la multiplicité des facteurs qui peuvent nous amener à la mort et de réfléchir que, au final, il n'y a rien d'autre que le dharma qui va pouvoir nous aider ou nous être utile au moment de la mort. Quand vous avez vraiment développé ce type de contemplation, il y a un désir qui va naître du fond de votre cœur de ne faire rien d'autre que de pratiquer le dharma. Et c'est là que la pratique devient le dharma authentique. C'est la ligne de démarcation de ce qui est le dharma et de ce qui n'est pas le dharma. Et donc, cette méditation sur la mort et l'impermanence, elle est vraiment, vraiment importante. Si vous le faites correctement, ça ne vous rend pas dépressif. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous soulager de tout cet attachement qui vous rend dépressif, qui vous rend déprimé. Ça va vous soulager de toute cette colère qui vous rend malheureux. Parce que la méditation sur la mort et l'impermanence, elle va nous aider à mettre cette vie en perspective.
dans une perspective beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui va en fait éliminer tellement de nos problèmes dans cette vie. Et donc, encore une fois, je me souviens, vous savez, je vous raconte toutes mes histoires, c'est les versions condensées, parce qu'on n'a que 9 sessions. Mais je me souviens une fois, j'étudiais les 4 instances d'Aryadeva avec Geshe Nawa Dorje. Et j'étais assise dans sa pièce. On était un petit groupe. Et Aryadeva, il a tout un chapitre sur la mort et l'impermanence. Et Geshe-la, encore une fois, nous le martelait jour après jour après jour après jour. Il nous parlait de la mort et de l'impermanence. Et donc, j'écoutais les enseignements et ensuite, je rentrais dans ma chambre et je méditais sur ces thèmes ce même jour. Et ma vie est devenue tellement paisible à ce moment-là. C'était incroyable à quel point mon esprit est devenu en paix. Je vivais à côté de quelqu'un qui mettait sa radio vraiment très fort. Et ça me dérangeait. Et quand je méditais sur la mort et l'impermanence, sa radio, elle ne me dérangeait plus. Quand je méditais sur la mort et l'impermanence, ce que les gens pensaient de moi, c'était pas la priorité dans mon esprit, parce que quand vous mourrez, tout ça, c'est pas vraiment important, non? C'est pas important ce que les gens pensent de vous. Mon esprit était vraiment tellement plus en paix, parce que si j'avais des choses, ok, mais si j'avais rien, c'était ok aussi. L'attachement au bonheur de cette vie vraiment a diminué quand je méditais durement sur cela et de façon quotidienne. Et donc c'est pour ça que les maîtres nous encouragent vraiment à nous souvenir de la mort et de l'impermanence de façon quotidienne. Ça aide vraiment l'esprit. Ok, donc, il y a 2 types de méditation pour la mort et l'impermanence. La première, c'est la méditation en 9 points. La méditation sur la mort en 9 points. Une autre, c'est d'imaginer sa mort. Donc, la méditation en 9 points, son objectif, ce n'est pas de faire en sorte que vous ayez peur de la mort. On a déjà peur de la mort. Le Bouddha n'a pas besoin de nous enseigner comment avoir peur de la mort. Ce qu'elle va faire, c'est que elle va nous faire prendre conscience des dangers de mourir sans avoir pratiqué le Dharma. C'est ça qu'elle fait. C'est qu'elle va nous faire prendre conscience que notre précieuse vie humaine, elle est vraiment précieuse et qu'elle ne va pas durer toujours. Et que si on ne pratique pas maintenant, on risque de mourir sans jamais avoir une bonne utilisation de notre vie. Et alors, qui sait ensuite où est-ce qu'on va renaître? Et aussi, au moment de la mort, si on est très attaché aux 8 dharmas mondains, aux 8 préoccupations mondaines, alors on va mourir avec une saisie très très forte et on sera incapable de juste relâcher l'esprit du corps, alors qu'on n'a pas le choix au moment de la mort. Donc, il y a 3 sous-catégories sous la méditation sur la mort. Donc la première, c'est que la mort est certaine. Le deuxième, c'est que le moment de la mort est incertain. Et le troisième, c'est que au moment de la mort,
Il n'y a que notre pratique du dharma qui est importante. Et donc, chacun de ces trois a trois autres sous-catégories. Donc, pour le premier point principal, le moment de la mort est certaine. Les trois sous-catégories, c'est que tout le monde va mourir. Et ça, c'est la réalité. Dès qu'on naît, on rentre dans ce processus de mourir et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et si on regarde à travers l'histoire, aucune personne vraiment célèbre, importante ou très riche n'a pu échapper à la mort. Et même tous les grands guides spirituels, religieux et les grands pratiquants, ils sont tous décédés. La mort est certaine, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et oui, c'est juste comme ça, que ça vous plaise ou non. Donc, encore une fois, de vraiment y penser, de vraiment voir les choses de cette façon, que ma mort est certaine et qu'un jour, des gens vont écrire une nécrologie pour moi et qu'un jour, je vais être sur la liste des prières de quelqu'un d'autre. Mais je ne vais même pas être là pour en profiter et de me dire « Oh, enfin, je suis sur la liste de prières de quelqu'un d'autre ». On sera déjà dans un autre royaume, dans une autre renaissance à ce moment-là. Donc oui, tout le monde meurt. Le deuxième, c'est qu'il n'y a aucun endroit où on peut aller pour éviter la mort. Aucun. Aucun endroit. Vous savez, ils veulent envoyer des vaisseaux sur la Lune. Oui, super. Super. Mais vous ne pouvez pas éviter la mort en allant sur la Lune, ou vous ne pouvez pas éviter la mort en allant sur Mars, ou en allant à la Maison Blanche, et vous pouvez éviter la mort, vous savez, en étant très riche. Il n'y a rien de ça qui va faire la différence. Vous allez peut-être mourir quand vous mourrez. Est-ce que c'est vraiment important si vous mourrez dans un lit avec de magnifiques draps blancs, ou alors si vous mourrez dans un lit qui est sale ou même dans la rue? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vous allez être là, assis ou même allongé, en train de mourir et vous dire « Oh, je suis tellement heureux, j'ai la chance de mourir dans ce lit magnifique avec ces beaux draps tout blancs, alors que je suis en train de faire cette énorme hémorragie et que tout ce caca sort de mon corps ?» C'est pas comme ça que ça marche. Il y a nulle part où on peut aller pour éviter la mort. Et le troisième, c'est toute notre vie peut passer sans qu'on ait pratiqué. Et donc, dans l'ancienne Inde, dans l'Inde ancienne, vous savez, ils séparaient la vie. En fait, c'était des tronçons de 20 ans de vie. Les premiers 20 ans, vous êtes un enfant et vous apprenez. C'est un petit peu comme aujourd'hui, sauf que aujourd'hui, ce premier tronçon, ce serait plutôt de 35 ans. Non? Oui, oui, c'est pas vrai. Les gens ne grandissent pas aussi vite aujourd'hui. Et donc, le deuxième tronçon de votre vie, vous avez une famille et vous travaillez. Et donc ça, dans les temps anciens, c'était 20 ans. Maintenant, c'est entre 35 ans jusqu'à 65 ans. Donc, ça fait 30 ans. Et ensuite, le dernier tronçon de votre vie, c'est là que vous pratiquez le dharma. Parce que vous avez eu votre famille, vous avez réussi économiquement, et donc ensuite vous savez que vous approchez de la mort, donc c'est le moment où vous commencez à pratiquer. Mais le problème avec ce modèle, c'est que vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver. Ce qui nous amène au deuxième point principal, qui est que le moment de la mort est incertain. Donc, le premier des sous-catégories en dessous, c'est que les gens meurent à tout âge. Ça peut vraiment nous aider de marcher dans des cimetières et de regarder les dates sur les pierres tombales.
et de voir les pierres tombales des personnes qui sont mortes à votre âge ou même plus jeunes que vous. Et de penser aux gens que vous connaissez qui sont morts. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude, c'était un petit peu comme une partie de ma méditation, mais j'avais une liste des personnes que je connaissais et qui sont mortes. Et c'est incroyable parce que plus le temps a avancé et plus la liste est devenue grande. Et je ne tiens plus cette liste parce qu'elle est tellement grande maintenant. Mais même au début, les premières personnes, les personnes dans mes premiers cours de méditation, certaines sont mortes et elles sont mortes juste après ces cours. On ne sait pas si on va avoir une longue vie. Certaines personnes, elles meurent enfant. Nous, on a réussi à arriver jusqu'à l'âge adulte. Mais il n'y a pas de garantie que l'on va vivre plus que ça. Parce qu'on pourrait mourir à n'importe quel moment. Et que si le coronavirus ne nous amène pas cela, alors qu'est-ce qui va nous amener cette prise de conscience? Parce que quand on lit le journal tous les jours, des gens en bonne santé, ils ont leur famille, ils ont une carrière, ils attrapent le virus, et en 10 jours ou 2 semaines, ils sont morts. Ils sont partis. Et c'est pas important quel type de diplôme ils avaient, l'argent qu'ils gagnaient, le nombre de personnes qui les aiment. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Parce que la mort, elle peut arriver à n'importe quel moment, un accident de voiture. Tout type de choses. Les gens meurent à tout âge. Je me souviens d'un ami. Et sa sœur, elle avait pris des cours de danse du ventre. Et donc, elle pratiquait la danse du ventre. Et un jour, son mari, à la maison, en fait, c'était il y a longtemps. Donc, il y avait encore, vous savez, il y avait encore les disques, on avait encore des disques. C'était pas du numérique. Mais le disque de la danse du ventre est arrivé à la fin et il tournait en rond, vous vous souvenez, c'est cela qui continuait à tourner en rond après. Et donc il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle était en train de pratiquer sa danse du ventre, elle avait, je ne sais pas, un peu plus de 20 ans, et il est entré dans la pièce et elle était morte. Elle est morte, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'était une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Même quand vous êtes jeune, vous pouvez avoir une crise cardiaque, vous pouvez avoir un AVC. Donc, la personne à côté de qui je me suis assise dans mon tout premier cours du Dharma, on devait ensuite se retrouver à Kopan et quelques mois plus tard, elle a été assassinée avant d'arriver là-bas. Il y avait un gars, c'était mon deuxième cours de Kopan, j'étais avec lui à ce cours, et je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais il a sauté d'une fenêtre et il est mort. Je ne sais plus si c'était un problème mental ou je ne sais plus. Et c'est arrivé vraiment très peu de temps après le cours, et une autre personne à côté de qui j'étais assise dans ce cours, plus tard il est devenu toxicomane et il a fait une overdose. Et ça, c'était tous des jeunes personnes. Et vous commencez à regarder autour de vous et les gens peuvent mourir à n'importe quel âge. Le deuxième point, c'est il y a énormément de causes pour la mort et ça demande énormément d'efforts de rester en vie. Et c'est vrai, c'est très vrai. Regardez toute l'énergie que l'on doit déployer rien que pour rester en vie. Il faut qu'on ait de la nourriture, donc il faut faire pousser de la nourriture, il faut transporter la nourriture, il faut l'obtenir, il faut la couper, il faut la cuisiner, il faut la manger, et ensuite il faut nettoyer après avoir fait tout ça. Et ça c'est seulement pour la nourriture, ensuite il y a l'abri, vous avez besoin des matériaux, il faut construire un bon abri, il faut vous protéger des animaux, des insectes, de la chaleur, du froid. Et ensuite on a besoin de vêtements, vous devez avoir des vêtements, faire des vêtements, et etc., et de faire tout ça. Et ensuite, il faut avoir un travail.
Parce que si vous voulez rester en vie et avoir de la nourriture, des vêtements, un abri, et le quatrième prérequis, les médicaments, alors il faut avoir un travail. Et pour avoir un travail, il faut que vous ayez les vêtements appropriés en fonction du travail que vous avez, et vous devez conduire la voiture appropriée en fonction du travail que vous avez. Et vous devez avoir le bon type de partenaire en fonction du travail que vous avez et de l'image que vous vous créez. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et ça demande énormément d'efforts de rester en vie. Et pourtant, les causes de la mort, elles sont vraiment multiples. Les gens se préparent pour aller au travail, c'était avant le virus, et ils se retrouvent dans un accident de voiture avant d'arriver au travail. Il y a tellement de gens qui prennent le métro à New York, par exemple, qui vont avoir des accidents. Il y a tellement de façons différentes de mourir. Quand vous pensez à toutes ces façons dont ce corps peut tomber malade, de tellement de façons, avec tellement d'accidents différents qui peuvent nous arriver. Et on pense toujours, oh, mais ça n'arrive qu'aux autres, ça ne m'arrivera jamais. Mais regardez autour de vous, vos amis qui sont morts et vos proches qui sont morts. Et pourtant, il y a autant de chances que ça nous arrive à nous qu'à n'importe qui d'autre, en particulier avec le virus. C'est pas important la quantité d'argent que vous avez. Et c'est pas important quelle est votre nationalité, ou votre race, ou votre statut social, ou votre éducation. Ce virus, il prendra n'importe qui. Et voilà. Et ça nous amène au troisième point sous cette deuxième sous-catégorie. C'est que même des choses toutes petites peuvent amener la mort. On ne peut même pas voir un virus. On ne peut même pas voir une bactérie. Et pourtant, ces choses-là que l'on ne peut même pas voir, elles peuvent causer notre mort. Et donc, avec le virus, je veux dire, vous pouvez attraper le virus et même pas savoir que vous l'avez attrapé jusqu'à ce que vous commenciez à avoir des symptômes. Et même certaines personnes, elles n'ont pas de symptômes. Il faut qu'on attende pour voir si peut-être ces personnes qui sont infectées là maintenant et qui sont asymptomatiques, est-ce qu'elles vont développer des symptômes plus tard? Et on ne sait pas vraiment. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit nous rendre anxieux. Est-ce que le virus va nous attraper ou pas? Ça, c'est une perte de temps, l'anxiété. Une façon d'utiliser notre temps de façon sage, c'est que le moment, la mort est certaine, le moment de la mort est incertain, donc j'ai intérêt à pratiquer le dharma parce que ma mort est certaine, et j'ai intérêt à la pratiquer maintenant parce que le moment de la mort est incertain. Donc ça, ce sont les conclusions auxquelles on va arriver avec ces deux premiers points principaux. La mort est certaine, donc on arrive à la conclusion que donc je dois pratiquer le dharma, et du deuxième point principal, que le moment de la mort est incertain, c'est que j'ai intérêt à le faire maintenant parce que je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Et donc je ne peux pas dire ces trois tronçons de vie et je pratiquerai le dharma seulement à la fin, parce que seulement une fois que j'aurai fait tout ce que je voulais faire, que toute ma to-do list elle soit remplie, je vais aller à Disneyland, je veux escalader le mont Everest, je m'entraîne pour escalader le mont Everest, je veux aller faire du surf, je veux... Ah, il vous plaît celui-là. Ah oui, toi tu l'aimes celui-là.
Je veux pouvoir atteindre cela dans ma carrière et avoir ce type de promotion. Je veux, vous savez, avoir beaucoup d'argent. Je veux avoir une famille. Et toute la vie de mes enfants est déjà complètement programmée et qu'ils vont devenir couronnés de succès. Et j'ai tout ça qui est parfaitement organisé et je veux absolument que tout ça, ça arrive. Et ensuite, une fois que tous mes succès mondains auront été atteints, alors je pratiquerai le dharma. C'est pas comme ça que ça marche. Parfois, vous n'y arrivez jamais jusque-là. Donc si on attend toujours le temps parfait pour pratiquer, on ne pratiquera jamais. C'est comme si vous attendez toujours d'avoir les circonstances parfaites pour méditer, pour faire de votre pratique quotidienne, vous ne le ferez jamais. Si vous attendez le moment quand ça va être parfaitement silencieux et que vous pouvez vous concentrer, quand est-ce que ça va être parfaitement silencieux et que vous allez pouvoir obtenir le samadhi dans votre pratique de méditation? C'est pas possible. Où est-ce que vous allez aller dans ce monde pour que ce soit parfaitement silencieux? Si vous attendez d'avoir le coussin de méditation parfait, celui qui est confortable, et donc vous n'avez pas mal au dos et vous n'avez pas mal au genou. Mais c'est pas possible. Quand est-ce que vous allez avoir ce coussin parfait? Ou cette chaise parfaite, ou ce banc parfait? Si vous attendez d'être complètement à l'aise avant de pratiquer le dharma, vous n'allez jamais pratiquer. Et donc, notre pratique, elle implique de s'habituer à toutes ces choses qui sont des obstacles à notre pratique et qu'on soit en paix avec ces choses-là et qu'on apprenne à pratiquer malgré toutes ces choses. C'est ça, notre pratique du dharma. C'est pas d'aller un peu partout et de dire à tout le monde « tu fais trop de bruit, j'arrive pas à méditer ». Je veux dire, parfois, si vous avez des enfants, oui, vous pouvez demander à vos enfants de se calmer un petit peu, car en fait, c'est même bénéfique pour les enfants. Mais si vous attendez le silence parfait, le confort parfait, la sadhana parfaite, la chose parfaite sur laquelle vous allez pouvoir méditer, cette méditation, à chaque fois que je la fais, elle va m'amener de grandes expériences. Et donc, j'essaye cette méditation, non, ça marche pas. Cette méditation, non, ça marche pas non plus. Cette méditation, ah non, ça non plus. Et donc, tous les jours, vous essayez quelque chose de différent. Et donc, vous allez devoir attendre longtemps. Parce que l'expérience dans votre pratique, elle va venir par la familiarisation et il n'y a pas de raccourci pour arriver à la familiarisation. Comprendre l'expérience, ça vient grâce à la pratique et la pratique, ça veut dire que vous faites la même chose encore et encore. Donc ça prend du temps. Donc, il faut qu'on ait envie d'investir ce temps et de l'investir maintenant parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre. Et donc ensuite, le troisième point principal sur la méditation sur la mort, c'est qu'au moment de la mort, il n'y a que le dharma qui est important. Et ça, c'est parce que les trois sous-catégories, c'est qu'au moment de la mort, il faut qu'on se sépare de nos richesses. Elles ne vont pas nous aider quand on meurt. Il faut qu'on se sépare de nos amis et de notre famille. Ils ne peuvent pas nous aider quand on meurt. Il faut qu'on se sépare. On doit même se séparer de notre corps. Donc, toutes nos richesses pour lesquelles on a tellement travaillé pour pouvoir les accumuler, quand on meurt, tout ça, ça reste ici. Et c'est nos proches qui se battent pour les obtenir. Et vous pensez, non, ça ne va pas arriver dans ma famille. C'est ce que je pensais moi aussi. C'est ce que la plupart de mes amis pensaient aussi.
It's not true. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Okay. I mean, it doesn't matter how much. C'est pas grave la quantité de richesse que vous avez quand vous mourrez, parce que tout ça, ça va rester là. Vous pouvez rien prendre avec vous. Et de s'inquiéter au moment de la mort, de s'inquiéter de qui va obtenir quoi. Vraiment, vous voulez vraiment mourir en vous inquiétant de ça? C'est beaucoup mieux d'écrire votre testament. Maintenant, je m'en fiche de l'âge que vous avez. Vous savez, même si vous avez 13 ans, occupez-vous de faire votre testament maintenant pour savoir qui va obtenir quoi. Abandonnez tout mentalement, maintenant. Parce que comme ça, quand vous allez mourir, vous n'avez pas besoin d'y penser. Parce que qui veut mourir en se disant « Ah, vous savez, je voulais donner cet objet d'art qui me vient de mon arrière-grand-mère, je voulais le donner à cette personne, mais j'ai oublié de le mettre dans le testament, et maintenant c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Vous voulez vraiment mourir en pensant à ça ?» Qu'est-ce qui va se passer si tous les objets d'art de votre famille et qui sont passés de génération en génération? Vous voulez penser à ça? Qui va être le bénéficiaire de votre assurance vie? Occupez-vous de tout ça maintenant. Organisez tout ça maintenant. Faites, comment est-ce qu'on dit, faites votre procuration. La procuration au cas où vous soyez trop malade pour pouvoir gérer vos propres affaires, désigner la personne qui aura accès à vos fonds pour pouvoir payer vos factures, désigner la personne qui va faire des choix de fin de vie pour vous si vous n'êtes pas capable de le faire. Écrivez-le maintenant, écrivez vos choix de fin de vie maintenant. Est-ce que vous voulez être intubé? Est-ce que vous voulez être sous assistance d'une machine pour respirer? Est-ce que pendant un temps infini ou alors seulement pendant un temps très court? Ou peut-être que vous ne le voulez pas du tout. Est-ce que vous voulez que ça arrive? Est-ce que si vous commencez à mourir et que vous arrêtez de respirer, est-ce que vous voulez qu'il vous saute dessus et qu'il vous pousse et qu'il vous injecte des choses dans votre à l'intérieur pour que vous respiriez encore? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc réfléchissez à tout ça et écrivez-le maintenant, parce que ça va vraiment, vraiment éviter tellement de tourments à votre famille. Et ça va vous éviter à vous ces angoisses, parce que vous allez vous inquiéter de ce que les gens vont faire, parce que vous l'avez pas, parce que c'était pas clair pour eux. Et c'est pas morbide de parler de tout ça. En fait, c'est une faveur que vous faites à votre famille de parler de tout ça. Donc, j'ai essayé tellement de fois de parler de ça avec mes parents, mais ils ne voulaient pas en parler. À part que de temps en temps, parfois vous arrivez à en obtenir un petit peu. Et je me souviens, avec mon père, on a finalement réussi à faire en sorte que mon père signe un accord de non-réanimation. Et c'était approprié. Il avait 92 ans quand il est mort. Quand vous avez cet âge-là, est-ce que vous voulez vraiment qu'ils vous sautent dessus? Ils vont vous casser tous les os, toutes vos côtes. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt juste mourir en paix? Et donc, faites tout ça maintenant, occupez-vous de tout ça maintenant, et ensuite, quand vous mourrez, vous avez déjà tout abandonné, donc vous pouvez juste vous dire « Ah, j'ai créé des mérites, j'ai tout donné ». Je me souviens d'un jeune homme, je l'aidais à mourir, il avait juste un peu plus de 30 ans, il venait juste d'être accepté dans une université prestigieuse aux États-Unis. Et sa mort, il était en train de mourir d'un cancer, mais c'était progressif, mais il était vraiment proche de la mort, et donc il disait à sa sœur, donne ça à cette personne, Et vous savez, il pouvait presque plus parler, mais il disait à sa sœur, donne toutes mes affaires, donne tout. Et il avait un esprit tellement beau quand il faisait ça. Il avait vraiment un esprit de générosité. Parce que ses livres, c'était ses possessions les plus chères. Et donc, c'est les dernières choses qu'il a données. Mais vous pouviez voir quand il les a données qu'il voulait vraiment que les autres personnes les aient et puissent les apprécier. Et à la toute fin,
Il a appelé sa sœur et il lui a dit, assure-toi que tu vas faire des offrandes à cette personne et à ce temple. Il était vraiment très clair avec ça, qu'il voulait faire des offrandes au Bouddha Dharma et à la Sangha après sa mort. Et il est mort avec ce type de pensée. Après que l'on se soit débarrassé du médecin qui essayait de le convertir. Mais ça, c'était une autre histoire. Donc, la deuxième chose, c'est que nos amis et nos proches, au moment de la mort, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Peut-être qu'ils vont être là à nous tenir la main et à s'accrocher à nous et à pleurer avec profusion. Je t'aime, ne me quitte pas. Est-ce que c'est ça qui va nous empêcher de mourir? Est-ce que ça va nous être bénéfique quand on est en train de mourir? Pour parler personnellement, je ne peux pas penser à une pire façon de mourir que de mourir avec ma famille autour de moi. Parce que je vais devoir finir par m'occuper d'eux et je n'ai pas avoir d'espace pour mourir parce que je vais devoir m'occuper d'eux parce qu'ils s'inquiètent de ceci, ils s'inquiètent de cela et de ces autres choses. D'avoir quelques amis du Dharma, oui, ça peut être bénéfique parce qu'ils vont me rappeler qu'il faut que je pratique. Mais toute personne qui a de l'attachement, non. Et donc, ce même jeune homme dont je parlais là tout de suite, quand les gens venaient le voir et que s'ils commençaient à être émotionnels, il leur demandait de quitter la pièce. Il leur disait que si tu vas pleurer, s'il te plaît, va le faire à côté. Et je pense que d'avoir des gens qui pleurent quand vous essayez de mourir, non. S'il vous plaît, rappelez-moi le Bouddha, le Dharma, la Sangha, rappelez-moi les enseignements, rappelez-moi mon maître, mais ne pleurez pas, s'il vous plaît. Vous avez mieux à faire, j'ai mieux à faire. Donc, ne me perturbez pas avec ça. Donc, les amis et les proches qui ont de l'attachement, ils ne vont pas nous aider au moment de la mort. Peut-être qu'ils vont vous amener des choses pour vous dire « signe-là, on est en train de mourir ». Et attends, non, mais d'abord, il faut que tu signes ici. Et au moment de la mort, notre corps, notre meilleur ami qu'on a tellement chéri pendant toute notre vie et qu'on a fait des pieds et des mains pour qu'il soit confortable parce qu'on l'aime et parce qu'on est tellement attaché à ce corps, notre corps, il va nous déserter au moment de la mort. Il reste ici. Il se dégrade. Notre corps a eu un AVC, il a eu une crise cardiaque, il est en train d'avoir une hémorragie. Vous pensez que vous allez être beau quand vous allez mourir? Nancy Reagan. Nancy Reagan, elle s'était assurée que... Non, c'était pas Nancy Reagan, c'était une star du cinéma. John Rivers? Ok, qui s'était assurée qu'elle serait vraiment très belle pendant qu'elle est en train de mourir. Nancy Reagan, elle s'est assurée qu'elle serait très belle à partir du moment où elle était morte. Elle avait tout préparé, qu'elle ait une belle coiffure, que son maquillage soit fait, etc. Est-ce que c'est vraiment important quand vous mourrez l'apparence que vous avez? J'étais allée à l'enterrement de la mère d'un de mes amis. Elle était morte d'un lymphome qui a duré un moment. J'ai entendu des gens à son enterrement qui disaient « Je ne l'avais pas vue avoir l'air si belle depuis longtemps que là maintenant dans son cercueil. » Parce qu'ils ont vraiment fait un super travail d'embaumement. Et ça, en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à couper mes cheveux, parce que quand j'ai rencontré le Dharma, j'avais les cheveux jusque-là et ça faisait des années que je les faisais pousser et j'étais tellement attachée à mes cheveux. Je voulais pas les couper parce qu'ils étaient
Ça m'a pris des années d'avoir des cheveux aussi longs et c'était vraiment des très beaux cheveux. Et quand j'ai entendu parler de cette méditation sur la mort dont Rinpoche nous a parlé dans mon premier enseignement, et que j'ai commencé à méditer sur la mort, et je me suis dit, ok, d'accord, je suis là, allongée dans mon cercueil, avec ces magnifiques cheveux, tous ces magnifiques cheveux. Et bah, super. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens ils disent ça de vous? Oh, elle est tellement belle dans son cercueil. Regardez ces cheveux magnifiques qu'elle avait. C'est ça qui m'a permis de me couper les cheveux. Mais on s'en fiche. Et donc, s'il vous plaît, faites à votre famille l'économie de tous ces frais. Ne vous faites pas embaumer. Ayez un enterrement vert, c'est mieux pour la planète. Pas besoin d'avoir, vous savez, ce grand enterrement. L'enterrement, c'est pas pour les personnes qui sont mortes. Les enterrements, c'est pour les personnes qui sont encore vivantes. Donc, soyons honnêtes avec ça. Et c'est bien d'avoir le support de la communauté, le soutien de la communauté. S'il y a une personne qui meurt, c'est bien que les personnes se regroupent et qu'elles l'honorent comme ça. Mais ne faites pas toute une scène en disant que c'est pour la personne qui est morte. C'est pas vrai, c'est pour les personnes qui sont vivantes. Et quand on est mort, on n'est plus là. Et vous savez, quand quelqu'un meurt, il faut dire quelque chose de sympa à propos de cette personne. Et quand ils sont en vie, vous les critiquez, vous les accusez, vous les rabaissez. Mais quand elles sont mortes, vous écrivez une belle nécrologie sur à quel point cette personne était géniale. Est-ce que vous avez déjà lu une nécrologie qui disait « cette personne n'était pas un bon parent, cette personne était toxicomane, cette personne était alcoolique » Est-ce que vous avez déjà lu une nécrologie comme ça? Non, jamais. Toutes les nécrologies, ils adoraient leur famille, c'était tout pour eux, ils étaient tellement bons, ils auraient donné leur chemise pour les autres. Et quand cette personne est en vie, oh, elle est tellement radine. Et quand ils sont morts, ah, on dit toutes ces choses très sympas, très agréables. Je mens ou je dis la vérité, là? C'est quoi votre expérience? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, non? Donc, on pense que ça va être différent quand on va mourir, nous, et que tout d'un coup, ils vont dire toutes ces choses super sympas et qu'ils vont les penser vraiment? Et que finalement, on va avoir cette bonne réputation qu'on avait toujours voulu, enfin, quand on est mort. Et qu'on va être assis là-haut sur un nuage et regarder en bas et se dire, « Oh, ils pleurent tous parce que je suis mort. » Et ils m'aimaient tellement. Et regardez cette superbe nécrologie qu'ils ont écrite sur moi. Maintenant, enfin, je me sens aimée. C'est ça qui va se passer? Ok. Donc là où je veux en venir, en tout cas, l'important sur ce troisième point de la méditation sur la mort, c'est qu'au moment de la mort, notre argent, nos possessions, nos amis, nos proches, notre corps, il n'y a rien de tout ça qui va nous aider. Qu'est-ce qui va nous aider au moment de la mort? C'est notre pratique du dharma, le karma positif que l'on a créé, les attitudes vertueuses que l'on a eues, avec lesquelles on s'est familiarisé, avec lesquelles on a familiarisé notre esprit, avoir un esprit de refuge, de bodhicitta, se souvenir de la vacuité quand on meurt, un esprit qui va vraiment aspirer à une bonne renaissance pour qu'on puisse continuer à pratiquer sur la voie. C'est ça qui va nous aider au moment de la mort. Le reste de tout ça? Non. Ok. Donc, avec tout ça, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous pouvez écrire vos questions et les envoyer au bureau. Et je pourrai les prendre demain. Mais essayez vraiment de réfléchir à tout ça, cette méditation sur la mort. Elle est vraiment précieuse. Very
Et ça nous permet de voir vraiment clairement pourquoi est-ce que les huit dharmas mondains doivent être abandonnés, parce que les huit dharmas mondains ne vont pas nous aider du tout au moment de la mort. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait passer toute notre vie à faire toute une histoire à propos de ces huit dharmas mondains s'ils ne nous aident pas? Alors là, vous avez le choix, soit vous vous tournez, vous me regardez, moi, en chair en os, soit vous me regardez sur l'écran. Donc là, je parle pour les gens qui sont dans la salle, qui ont le choix entre voir une image de moi-même ou voir, je ne sais pas, un corps humain apparemment fait de chair et de sang, qui est apparemment vivant, toujours, comme vous voulez. Pour ceux qui sont sur Internet, là, vous n'avez pas le choix. Vous avez forcément une image. Donc, Vénérable Thubten Chodron vient de nous donner le remède, là, justement, après nous avoir incité à reconnaître comment fonctionnait notre esprit et comment nous étions toujours en train de créer notre attachement à cette vie. Et en fonction des situations que l'on rencontre, comment tout revenait à l'attachement. Il nous montre donc quel est l'antidote donc, que nous donnent les enseignements du Bouddha pour remédier à cette saisie de l'attachement à cette vie. Et la méditation donc, qu'elle vient de nous montrer est essentielle. C'est la méditation sur la mort qu'on appelle la méditation, comment on dit ça en termes techniques, le 393. Ce n'est pas un nouvel arrondissement. Mais le 393, c'est-à-dire il y a trois points principaux qu'elle a énoncé. Il y a 9 points secondaires, donc trois points pour chacun. Et trois conclusions auxquelles on arrive. Donc cette méditation, vous pouvez la retrouver, par exemple, elle est très connue, elle est dans tous les ouvrages bouddhistes, pratiquement, elle l'explique, notamment dans le livre de Kathleen MacDonald, « Comment méditer hein, », qui est aux éditions Mahayana. Vous pouvez la retrouver, donc, cette méditation faite intégralement. Je ne vais pas la refaire, hein, Thubten Chodron l'a vraiment bien détaillée. Donc si vous avez suivi cet enseignement, vous avez aussi donc, pu me... suivre exactement le processus de méditation, de cette méditation analytique dans ce cas-là. Donc, dont le but est justement de nous inciter à pratiquer le dharma, de le pratiquer maintenant, sans plus attendre, et de le pratiquer de façon pure. Et pour ça, donc, la méditation sur la mort, c'est l'antidote essentiel. Donc moi, ce que je vous propose de faire maintenant pour conclure cette journée, c'est de méditer simplement sur l'impermanence, qui est une autre manière, qui est une autre forme donc d'antidote justement à l'attachement à cette vie et à l'attachement notamment au moi et aux huit dharmas mondains. Donc pour méditer sur l'impermanence. Donc on commence comme toute session de méditation, donc à s'asseoir sur un coussin confortable, le dos droit, en essayant de garder le corps détendu. Et commencer par laisser son esprit reposer dans le moment présent. Alors laisser son esprit reposer dans le moment présent, comment on le fait, soit en observant sa respiration, qui a lieu au moment présent, soit en regardant les sensations de notre corps, de la tête aux pieds, qui ont lieu au moment présent. Donc ça coupe court, en général, aux pensées liées au passé ou au futur, et nous ramène à l'instant.
Une fois que vous sentez que votre esprit est calmé, qu'il est établi dans le présent, vous générez une motivation positive pour faire cette méditation. Par exemple, vous pouvez penser, puisse cette méditation contribuer à apporter plus de paix, plus de bonheur à tous les êtres. Ou encore, puisse cette méditation être une cause pour que j'atteigne l'éveil, afin d'être en mesure d'aider les êtres, de les libérer de la souffrance et de les aider à atteindre l'éveil à leur tour. Ensuite, donc, on commence cette méditation en observant sa respiration et on devient vraiment de plus en plus conscient de son impermanence. Chaque respiration est différente de la précédente et différente de celle qui lui succède. À chaque inspiration, à chaque respiration, on inspire un air différent. Et notre corps change avec chacune de nos inspirations. Il y a des sensations différentes. Par exemple, autour du nez ou à l'intérieur des narines. Nos poumons se dilatent, se contractent. Notre abdomen se soulève, monte et descend. Donc à chaque respiration, il y a un changement. Il y a un flux. Il y a une circulation. Il y a une continuité. Ensuite, pensez aux autres changements qui ont lieu à tout moment dans votre corps. Pensez que votre corps est constitué de nombreuses parties différentes. Les bras, les jambes, la peau, le sang, les os, les nerfs, les muscles. Et que toutes ces parties sont elles-mêmes constituées de nombreux éléments, de nombreuses parties, plus petites, comme des cellules, et à chaque instant dans notre corps, il y a toutes sortes de mouvements qui ont lieu, toutes sortes d'événements. Il y a les battements du cœur. Il y a la circulation du sang. Il y a l'énergie de nos impulsions nerveuses. On peut ressentir de la chaleur ou du froid. Et à un niveau encore plus subtil, il y a des cellules qui naissent, qui se déplace, qui meurt, qui se désintègre, chaque instant. Et à un niveau encore plus subtil, toutes les parties de notre corps, sans exception, sont faites de particules, de molécules, d'atomes.
qui sont constamment en mouvement. Essayez de ressentir tous ces changements qui ont lieu à chaque instant dans votre corps. Ensuite, tournez votre attention sur votre esprit, qui lui aussi est composé de nombreuses parties. Il y a des pensées, des perceptions, des idées, des sentiments, des souvenirs, des images. Se succèdent les unes après les autres, sans cesse. Donc si on regarde attentivement, on peut observer un flot toujours changeant d'expériences mentales. Comme si on regardait par la fenêtre une rue animée, qu'on voyait passer des voitures, des piétons. Donc on ne peut s'accrocher à rien de ce qui se passe dans notre esprit. C'est impossible. Cette méditation consiste à rester dans cet état d'observateur, sans juger, sans jugement, sans faire de commentaires, simplement observer. En ressentant ce sentiment d'impermanence, de nature toujours changeante de notre esprit, de notre corps. En goûtant à l'impermanence, en l'appréciant. Et après avoir réfléchi et médité sur l'impermanence de notre corps ou de notre monde intérieur, on peut élargir cette attention au monde extérieur. On peut essayer de ressentir notre environnement immédiat, le coussin sur lequel on est assis, ou le tapis. Le sol, les murs, les fenêtres, le plafond de la pièce où on se trouve, les objets qui s'y trouvent. Et pensez que chacune de ces choses, bien qu'elles paraissent solides et statiques, est en fait un amas d'infimes particules qui se déplacent à toute allure. Dans l'espace. Essayez de rester quelques instants dans la conscience de cette impermanence, de la nature des choses, en changement constant. Et maintenant, laissez votre attention voyager encore plus loin, au-delà des murs de cette pièce. Pensez à d'autres gens qui sont là ou qui sont à l'extérieur, que leur corps, leur esprit aussi, changent sans cesse, ne demeurent jamais identiques.
comme les objets animés qui sont, que l'on trouve dans le monde, dans l'univers, les maisons, les immeubles, les routes, les voitures, les arbres, les montagnes, les océans, les rivières, la terre elle-même, le soleil, la lune, les étoiles. Tous ces phénomènes sont composés d'atomes, de minuscules particules qui sont en constant mouvement. À chaque milliseconde, rien ne demeure identique. Tout change. Et lorsque vous ressentez ce processus de changement, vous arrêtez votre analyse, vous arrêtez d'y penser et vous restez simplement dans cette conscience, concentré aussi longtemps que possible sur cette attention à l'impermanence, sans distraction, comme si votre esprit était complètement immergé, absorbé dans cette réalité. Qu'on termine cette méditation en pensant qu'il est complètement irréaliste et source de souffrance et de frustration de s'accrocher, de s'attacher aux choses comme si elles étaient permanentes. Puisqu'on voit bien que ce n'est pas leur réalité. Tout ce qui est beau et plaisant changera et finira par disparaître. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela, à ce que ces choses nous apportent un bonheur durable. Et de même, tout ce qui nous paraît déplaisant, perturbant, ne durera pas toujours. Cela pourrait même changer dans quelques minutes et devenir quelque chose de bien mieux. Donc c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. C'est pas la peine non plus de chercher à en faire quoi que ce soit, à chercher à s'en débarrasser, puisque ça part tout seul. Ni même de chercher à accepter quoi que ce soit, puisque tout change. Donc il n'y a rien à refuser. Il n'y a rien à accepter. Simplement laisser faire l'impermanence avec une confiance totale. Dans la vie. Donc on va dédier cette énergie positive que l'on a réunis, que l'on a générés ensemble pendant ce week-end, pendant à l'écoute de ces enseignements, en réfléchissant, en méditant, pour que tous les êtres trouvent un bonheur parfait et la libération de toute souffrance, au-delà de toute forme d'attachement. Merci beaucoup.
tous ceux qui nous ont suivis sur Internet ou dans cette salle. Et au plaisir de vous revoir, cher Arnaud, j'espère, prochaine fois. Donc au mois d'avril, la suite, pour la suite de ces, de cette série, donc de neuf conférences données par Vénérable Thubten Chodron, donc qui nous conduiront donc à avancer dans ce texte sur la comment abandonner les quatre attachements. Et ce qui se termineront aussi par, comme je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle, par une rencontre, en tout cas par vidéo, une visioconférence avec Thubten Chodron directement, donc depuis les États-Unis. Nous ne pouvons pas le faire pour l'instant parce qu'elle est encore en retraite. Et donc peut-être au mois d'avril, à l'issue de la quatrième, de la neuvième émission, on essaiera peut-être de se connecter à ce moment-là, ou sinon ça sera plus tard. Pour l'instant, c'est un petit peu incertain. Tout est incertain, de toute façon, comme vous l'avez bien compris. Et voilà, donc ça clôturera en fait notre, ce cycle d'enseignement. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.